Je sens qu'on va se marrer. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur South Park Snow Day. Ça sort le 26 mars. Nous sommes aujourd'hui sur PS5 pour découvrir le jeu ensemble. Ça sort également sur Xbox Series, Nintendo Switch et PC. C'est un jeu d'action, alors très différent du style des deux jeux South Park que je pense tout le monde connaît, à savoir L'Anal du Destin et avant lui, Le Bâton de la Vérité, qui sont donc des jeux de stratégie RPG. Là, c'est vraiment un jeu d'action qui mise plutôt sur la coopération. Alors vous le savez, moi je n'ai pas d'amis, donc on va jouer en solo, bien sûr, que la vie est triste. Au niveau du speech, alors que la ville est en proie à une tempête de neige, Cartman et ses amis vont devoir la sauver. Allez, on découvre ensemble, et alors il y a la VF. Ça, c'est très très bien. On l'appelle déjà la tempête de neige du siècle. Tout South Park est pris dans un blizzard et les prévisions annoncent de nouvelles chutes de neige. Des accidents impliquant plusieurs voitures et des coupures de courant sont signalés dans toute la ville. Oh chérie, Dieu merci, tu vas bien. Maman, t'as vu comment il neige fort dehors? Oh oui chérie, c'est de pire en pire. Oh, ça va être un jour de neige? Ils vont annuler l'école, pas vrai? Ils ne l'ont pas encore dit. Cette énorme tempête ne fait qu'empirer. Je suis ici à l'étang de Stark qui est complètement gelé. Où un camion-citerne vient de s'écraser dans la glace. On déplore plusieurs victimes. Cool, plusieurs victimes. Ils vont forcément annuler l'école, c'est sûr. Eric, c'est très grave. La situation ne fait que devenir encore plus horrible, Tom. La tempête ne semble pas s'apaiser. Et avec la neige qui s'accumule et les routes qui se couvrent de glace, nous nous préparons à une nuit catastrophique. Oh, trop bien, ils vont annuler l'école. Eric, retourne te coucher. Je suis pas obligée d'aller me coucher s'il n'y a pas d'école. On n'en sait rien, Eric. On le saura demain matin. Oh non, 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 non. Qui est, s'il vous plaît? S'il vous plaît, faites qu'il continue à neiger. Plus fort que jamais, s'il vous plaît, Dieu. Juste cette fois. Dieu, fais pas ta pute. Stabilise au moins 20 morts, Tom. On signale des conduites d'eau gelée et même des corps gelés, tandis que la tempête fait rage. Ils ont annulé l'école? Ils ont annulé l'école? Eric, c'est horrible! Les autorités préviennent que même les premiers secours resteront chez eux aujourd'hui. Les routes sont complètement bloquées. Il n'y a plus de papier toilette nulle part. Et l'école alors? Cela ressemble vraiment à la fin des temps. Je vous en prie, soyez prudents surtout. Putain, tu déconnes! Oh, et nous apprenons que toutes les écoles du comté de Park sont fermées pour la journée! Ouais! Ouais! Y'a pas d'école! C'est un jour de neige! Y'a pas d'école! Y'a pas d'école! Y'a pas d'école! En plus, maman, je reviens dans quelques heures, prépare mon brunch! Où vas-tu comme ça? Je vais dehors jouer avec mes amis. Je ne pense pas que ce soit très sûr, trésor. Maman, c'est un jour de neige. Le jour le plus magique dans la vie d'un jeune enfant. Il est exceptionnel. Incroyable. Et donc, on va créer notre perso. On peut le faire tourner, comme ça au moins on le voit sous tous les angles. On va choisir notre tunique pour commencer. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix, ça va être rapide. Nous avons donc un sweat à capuche noire, maillot de baseball, la tenue standard, différentes couleurs. Hein.
le rose saumon, tunique d'aventurier. Je pense qu'on va partir sur le sweat à capuche de Snow. Ça me paraît plutôt bien. Alors le rouge c'est cool parce que dans la neige normalement on va bien le distinguer. On a également une tenue de sorcier qui est pas mal. Donc voilà, après au choix. Hein. Moi je pars sur quelque chose d'assez décontracté. Alors le chapeau. Chapka, casque audio, casque de hockey. Le chapeau pointu, voilà, si t'as envie de te la jouer sorcier, c'est bien. Chapeau de soleil, à la cool. Une casquette de baseball rouge. Alors moi honnêtement, je pense que je vais rester sans chapeau, sans couvre-chef. Ça ira très bien. Par contre, il faut changer la coupe de cheveux. Hein. Alors, oh la tignasse. Donc on a le choix. Hein. Pas mal de coupes. Voilà, coupe au bol. Frère Tuck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose de plus court, non, c'est possible. Alors là, c'est pas mal, c'est la fausse crête. Ouais, ce serait pas dégueu. Ah là, pour le coup, ça c'est une vraie crête, hein, les gars. Ok. Je pense qu'on va partir sur celle-là. La fausse crête. Alors, on peut switcher, tu vois, au niveau des couleurs. Hein. On peut choisir une teinte de peau un peu différente. Pareil, on peut changer la couleur des cheveux. Mais moi, je vais rien toucher parce que ça me correspond très très bien. Alors, on peut mettre une cape aussi. Ok. C'est pas mal. Bon, par contre, ça fait un peu moche avec la capuche. Donc, non, je vais pas en mettre. Avec mon perso. Donc, ensuite, le visage. Alors, on peut rajouter quelques petites choses. D'accord. Petit bouc. Cicatrice. On a également les yeux comme ça. Oh, j'aime bien. Oh, c'est la classe. Ah ouais, ouais, ouais. Il a été griffé par un ours. On a également le moustachu. Moustache guidon. Le belge. Barbe hirsute. Ouais. Rouflaquette. J'ai bien envie de prendre la barbe, moi. Honnêtement. Je sais pas si je prends la barbe ou plutôt ça. Eh bien, tu sais quoi? Je prends la barbe. Allez, je suis comme ça. Au niveau des lunettes, alors c'est pas très très joli, sincèrement, donc je vais pas en mettre. Et donc, là c'est un perso qui me ressemble un petit peu, n'empêche. Les emotes. Alors ça, honnêtement, je vais pas toucher parce que tu vois, il y en a plusieurs qui sont sélectionnés. Et qui sont pas mal. La danse zombie. Ah, c'est ma préférée, ça. Ok, bon, écoutez, ça me va. Surtout, sois très prudent, chérie. Passe un bon moment avec tes amis. Bonjour, monseigneur. C'est moi, le grand sorcier. On a beaucoup de batailles à livrer. Au fait, depuis ta dernière partie, on a dû réécrire les règles et repartir à zéro. Parce que quelqu'un est devenu trop balèze. Je dois aller à l'école et parler au gardien des règles. Ah non, non, moi je refuse, hein, je retourne pas à l'école. Eh bien, allez, retour à l'école primaire. On doit aller parler au gardien des règles. Hé, hey, nouveau, viens me retrouver sur le toit, il faut qu'on termine ton entraînement. Bon, évidemment, si vous n'aimez pas South Park, l'univers et la série télé, ça va être compliqué pour vous parce que je pense qu'il y aura beaucoup de fanservice. Et on retrouve ça, c'est trop cool. La VF, oui. Ah, bordel, c'est vraiment tombé fort hier soir. Alors, je suis pas un grand connaisseur hein, de la série TV, mais j'ai vu passer beaucoup d'extraits. Et à chaque fois, je me fends la poire, donc je ne m'interdis pas vraiment de jouer à ce nouveau jeu South Park. Faut qu'on cherche des ressources, apparemment. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose dans cette caisse? Non, j'ai pas l'impression. Tiens, on voit l'icône. Alors, bien sûr, je m'attends pas au meilleur jeu de tous les temps, mais j'espère que ça va être fun. Neige profonde. Vous pouvez vous cacher dans la neige profonde pour vous protéger des projectiles de l'ennemi et vous éteindre si vous êtes en feu. Toutefois, si vous restez trop longtemps dans la neige profonde, vous attraperez froid, ce qui vous ralentira et vous affichera des dégâts. Ok. Ah oui, je vois, y a le flocon avec une jauge qui se remplit. Et mon écran se gèle. Ça, c'est pas bon. Allez, on sort vite. Toujours rien là-dedans, non. Le sorcier dit que le papier toilette est plus précieux que l'or en ce moment. Récupère-en le nouveau. Le nouveau, tu peux utiliser ce papier toilette comme de l'argent. Utilise-le pour acheter une arme. D'accord, le PQ, c'est la monnaie. Utilisez X pour sauter. J'ai des armes de qualité à vendre. Bon, t'es armé maintenant, le nouveau. Maintenant, va te trouver une arme. Ça m'a coûté tout mon PQ. Détruisez des bonhommes de neige. Appuyez sur carré pour attaquer. La voix des poignards, d'accord. Il y a 4 bonhommes. Oh, les pauvres enfants qui sont donnés du mal à les monter. À les construire. Ensuite, on peut... Ah ouais, on peut plonger comme ça, trop bien. Ouh, et faire un combo. Très bien. Maintenant, continue à avancer pour obtenir ta première carte de pouvoir. Viens là, le nouveau, t'as gagné une carte de pouvoir. Une carte de pouvoir. Et tu remarques qu'il y a du PQ qui saute, on est récompensé. J'ai 25 PQ. Les armes, c'est sympa, le nouveau. Mais dans ce jeu, tu dois aussi apprendre à utiliser des cartes. Chaque carte t'offre une nouvelle compétence. Et voici la première.
tu parles un peu trop vite. Alors, pétez pour vous échapper vers un lieu en hauteur et infliger du dégoût aux ennemis. Dans votre sillage, le P évasif, c'est une carte commune. Ok. On va tester. Les pouvoirs sont des compétences spéciales que vous pouvez utiliser en plus de vos armes. Vous avez maintenant obtenu votre premier pouvoir, mais plus tard, vous pourrez équiper jusqu'à deux pouvoirs à la fois. Franchissez les étapes et explorez South Park pour débloquer de nouveaux pouvoirs. Considère que cette carte est ton permis de péter. Fous le feu, de nouveau. Allez, on va foutre le feu. C'est parti. Essaye de péter pour grimper sur cette crête-là. Énorme. Ah oui, je pense que même chez vous, vous sentez l'odeur. Hein. Alors, apparemment, faut qu'on monte là-haut. Ah ouais, trop pratique. Superbe paix, monseigneur. Entrez donc dans l'école. Moi, je dis, c'est un paix 10 sur 10. Je sais que toute cette neige surexcite vraiment les enfants, vous voyez. Et ça ne doit pas vous empêcher d'étudier, d'accord, vous voyez. Allez, le nouveau, cogne-les. C'est vrai que la neige s'excite. Vous voyez. Allez, faut combattre les elfes. Attends, c'est moi ou ils ont des raquettes de tennis? Mais non. C'est Nawak. C'est ça qu'on aime. Ok, donc on va leur jauge de vie. C'est vrai ça, comment on esquive? Utilisez rond pour éviter les attaques avec un jet d'esquive. Vous êtes invincible pendant une esquive, mais faites attention. Il faut quelques instants pour recharger ce mouvement. D'accord. Je pense avoir compris. D'accord, on peut leur mettre saignement à force de les frapper. Ok. Ah ouais. À utiliser bien sûr avec parcimonie. Hein. Hop là. Oh, cette esquive magnifique. Alors, je sais pas si le jeu a une certaine difficulté, normalement, bon, ça devrait aller. Celui-là, tu l'as carrément touché en pleine gueule. C'était mortel. Évidemment, on retrouve ce langage fleuri. Attention, des elfes. Prends ton arc et massacre-les, le nouveau. D'autres elfes, utilise ton arc pour les attaquer de loin. Et je vise, je tire. J'ai raté. Alors, en fait, c'est juste avec la touche L2, c'est un peu surprenant. Habituellement, on vise et on tire avec une autre touche. Ok, c'est bien. Tiens, je vois qu'il y a des cibles, attends. Si je tire là-dessus. Waouh, c'est pas évident, hein, par contre, hein, pour bien viser. On me tire dessus, évidemment, c'est pas aussi simple. Allez, vise bien. Oh, bingo. Suivant. C'est ton tour. Un petit peu trop bas, c'est pas simple, hein, vraiment, le tir à l'arc, faut se lever de bonne heure. Mais c'est pas vrai. Attendez, remonte un peu la mire. Là, maintenant. Yes, ça marche. Encore un petit effort, il se replace. Tant on dirait Link. Avec sa capuche. Oh, mais c'est pas vrai, comment c'est dur. Attends, est-ce que j'ai bien compris? Voilà, c'est bon. T'as battu les elfes à leur propre jeu. Bon travail. Maintenant, je peux terminer ton entraînement. Et il s'enfuit. Allez, ok, très bien, les gars. Vous avez collecté des ressources, acquis des compétences en maniement d'armes et appris à gérer vos cartes. L'heure est venue de passer notre dernière épreuve. Vous vouliez me voir? C'est qui ce gamin? Il est où? Pas encore. Il doit passer une dernière épreuve. Ok, le nouveau. Botte-lui le cul. Quoi? Ah! Allez, allez, le nouveau. Botte le cul à ce putain d'elf. Cet elf est dans l'équipe ennemie. Tue-le! Ah, par contre, il me met trop rire, tu vois. C'est que. À ce gamin, alors que j'ai une grosse beubarde, tu sais. Alors, on peut sprinter? Ah ouais! Avec un toucheron. Allez! Ça continue de tomber. Alors, pour l'instant, c'est bien cool, hein. Le gameplay est assez simpliste. Mais ça se prend bien en main, c'est agréable. Je t'attraperai, petit elfe. T'es défoncé! Oh, le vilain par derrière! Alors, ça a dû faire mal. Viens par là, je vais t'apprendre comment te soigner. Je suis dans le rouge. Choisis cette carte totem de soin pour l'ajouter à tes pouvoirs. Ok, plantez un totem qui vous soigne, vous et vos alliés, pour une courte durée. Utilise ce pouvoir de soin et tu seras comme neuf. Bien joué. Tes pouvoirs sont pas illimités. Tu dois devenir enragé en infligeant ou en subissant tes dégâts. Si t'es pas assez enragé pour utiliser tes pouvoirs, continue à cogner sur tes ennemis. D'accord, donc ça soigne au fur et à mesure. Les gamins ne peuvent utiliser des pouvoirs que quand ils sont enragés. Votre barre de rage se remplit lorsque vous subissez ou infligez des dégâts. L'utilisation de pouvoirs fait baisser cette barre. Si vous ne pouvez pas utiliser un pouvoir, combattez avec vos armes jusqu'à ce que vous soyez enragé. D'accord. Voilà, d'autres elfes, ça te fout en pétard, hein, le nouveau. Ouais, je suis en pétard, je suis énervé. J'arrive.
C'est ouais. Parti. Hop là, je m'envole. Allez, prout prout. Ah, c'est trop bien. Hop là, et je redescends. Dommage, j'ai loupé mon rush. C'est vraiment une attaque plutôt sympa, ça, dans les airs. Alors par contre, dommage, on n'a pas de lock sur les ennemis, ce qui fait que la caméra, parfois, elle est dans les choux. Mais c'est agréable. Éliminer 10 grouilleurs. Hop là, l'esquive, alors. Attention. Maintenant, prout prout. Ça chlingue, hein. C'est voulu. Par contre, c'est moi ou je suis tout seul? Normalement, on est censé avoir des potes. Alors, des potes ou des IA? Des bots. A voir, du coup. Tu m'as vraiment pas fait du cadeau. J'ai une amélioration pour toi, le nouveau. Après une bataille, tu me trouveras dans les parages pour te donner des améliorations pour tes pouvoirs ou tes armes. Bon, là, c'est que l'entraînement, donc sûrement qu'on n'a pas encore des bots avec nous. Ces cartes améliorent tes armes et tes pouvoirs. Choisis-en une. Choisis-en une. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ressentiment. Oh, ça a l'air dark. Infliger des dégâts aux ennemis sous l'effet saignement vous rend 25% plus enragé. On a du peu commun là, donc je pense que c'est mieux. Hein. Le pet évasif crée un nuage de gaz qui persiste pendant 10 secondes. Allez, je prends ça. Vu que c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser en plus. Bon choix, le nouveau. On dirait que tu peux l'essayer dans cette embuscade. Bonjour. Et maintenant. Ah ouais, tu vois l'effet. C'est un peu différent. C'est si horrible que ça. Eh, t'as qu'à dire, j'ai le cul pourri. Allez, ça dégage. Les cartes sont distribuées au hasard, mais entre nous, je peux les redistribuer en échange d'un peu de PQ. Essaye. Oh non, mais t'abuses. En plus, il y avait une rare, là. On est obligé de changer. Salut de jeu, va. On remélange. Écoute bien, le nouveau. Toutes les améliorations se valent pas. C'est pour ça qu'on a établi un système de rareté qui t'indique leur puissance. Plus la carte est rare, plus elle est puissante. Les cartes rares t'aideront vraiment à botter le cul de tes ennemis. C'est le gardien des règles qui dicte la rareté des cartes. Mais en échange d'un peu de PQ, moi, je peux les rendre plus puissantes. Améliorer des cartes. Toutes les cartes d'amélioration sont caractérisées par leur niveau et leur rareté qui confèrent des avantages uniques à la carte. Jimmy peut améliorer la rareté d'une carte en échange d'un paiement en papier toilette. Les feuilles d'aluminium disséminées dans le monde du jeu permettent d'augmenter le niveau des cartes. Alors, amélioration. Eh bien, on a du rare, c'est bien. Le tir chargé crée un nuage qui inflige du dégoût sur 7-8 mètres pendant 6-8 secondes. Allez, direct. Attends, mais c'est avec l'arc? Il me semble. Oh, le nouveau. Garde cette histoire de PQ pour toi, compris? Ah, je peux en prendre une autre, mais il manque du PQ du coup. Dommage. Le tir chargé crée un nuage qui inflige des goûts d'accord, donc encore plus élevé quoi. Ok. Sur l'une carte, peux appuyer sur X pour la prendre. Quel choix, merci. Ah, mais je peux la prendre, je suis con. Bah oui. Tous tes pouvoirs sont prêts, pète-leur la gueule. Pète-leur la gueule. Butons-les. Où sont-ils? Oh, butons-les, mais c'est tellement violent ce jeu. Terrible. Hop là, vous êtes tous contaminés. Oui, oui, je suis toxique. Ok. On les a bien touchés, mais attention, parce que là, forcément, ils sont quand même plutôt nombreux, hein. Pas trop utiliser de soins, ça va. Voilà, je pète-zouille. C'est dégueulasse. Bon, je pense vraiment que le jeu va pas être trop dur au niveau de la difficulté. Après, il n'y avait pas de choix, d'ailleurs, de difficulté, donc ça doit être facile. Hop là. Ah, voilà. Les alliés, si votre session de 4 joueurs n'est pas complète, ces alliés vous rejoindront et vous aideront pendant le combat. Ils partiront une fois le combat terminé. Si un autre joueur rejoint votre session à un moment donné, l'un de ses autres petits nouveaux quittera le groupe pour lui laisser la place. Okay, logique. Bon, allez, je pète. Alors j'espère qu'on aura des attaques assez variées, hein, parce que là je fais ça depuis tout à l'heure. Bon, ça me dérange pas, mais... C'est bien pratique, c'est bien cool, mais... C'est un peu toujours pareil. J'ai même pas eu besoin effectivement d'utiliser trop le soin pour l'instant. Carte à la con, c'est quoi ça? Vampire. Le soleil me manque. L'ennemi a joué la carte. Carte à la con de l'ennemi, il y aurait eu un petit souci de caméra. Les chefs ennemis peuvent jouer les cartes à la con pendant le combat pour remporter un avantage injuste. Les pouvoirs à la con sont limités à quelques utilisations seulement, mais ils sont vraiment puissants. À l'instant même, Kyle vient transformer l'un de ses grouilleurs elfes en vampire, avec plus de santé et de nouvelles attaques. Oh oh. Ils ont joué une carte à la con. D'accord. Ça veut dire qu'ils peuvent un peu tricher pendant un petit moment. À toi de jouer, le nouveau. Je ne crains rien. Tu leur as donné une. Allez hop là, je m'envole. Retournons jouer pour de vrai. Le paix de l'amour. L'entraînement est terminé. Tu les as bien éclatés. Maintenant, tu peux aller jouer avec tes amis. Eh bien voilà.
Le tuto est terminé. Bon, ça a l'air simple à jouer. Honnêtement, ça se prend super en main. Comme tu peux voir, on a dû modifier le jeu parce qu'un connard qu'on ne nommera pas a décidé de devenir tout puissant et de foutre en l'air le bâton de la vérité. Et ensuite, tout le monde voulait être tout puissant et plus personne mourait. Ensuite, on a joué au super-héros et devine quoi ? Cette même personne est encore devenue hyper balèze et a foutu la merde dans ceux-là aussi. À cause de cette putain de personne, on a dû ajouter un tas de putains de règles. Et une fois qu'on a écrit les règles, on s'est disputé à propos des règles. Et on est tous repartis en guerre. Tu vois ? Avec ce nouveau système de cartes, ta puissance dépend des cartes que t'as en main. Et t'en reçois que deux pour commencer. Comme ça, tu peux pas être craqué. Ce jeu est impossible à foutre en l'air. Mais je parie que t'y arriveras. Bien sûr, même si techniquement t'es le roi, tu dois respecter les nouvelles règles. Parce qu'on est en Amérique. Tu es maintenant le roi de deux cartes. Félicitations. Écoute, Clyde a entendu dire que les elfes se préparent à lancer une attaque géante sur notre royaume. Leurs forces ont été vues près de l'étang de Stark. Faut les éliminer. Avant qu'il nous bute. Hé, le nouveau, cette mission sera dangereuse. Du coup, je te mets dans une équipe avec d'autres nouveaux qui viennent d'arriver aussi. Mais n'oublie jamais que c'est toi, le vrai nouveau. Les autres nouveaux vont travailler pour toi parce que toi, t'es celui qui compte, compris ? T'es le boss. Je vais tous vous donner des numéros. Au hasard, c'est pas important. Mais il est possible que je te donne pas le numéro 1. Mais sache que t'es toujours le meilleur nouveau pour moi. Le plus important. Même si t'es le numéro 4. Bonne chance. Ok, le nouveau. Maintenant que tu sais comment jouer, t'as plus aucune excuse si t'enfreins les règles. Oh, attendez, est-ce qu'on peut marquer un but ? Et bim ! Oh ! Il me semble que ça a fait la transversale. Alors, où je dois aller du coup ? Allez, gamin, jamais tu pourras prendre une flèche à ma place si tu sais même pas où est la bataille. Viens me retrouver à Copakip. Eh bien, écoutez, je me dirigeais bien. Rendez-vous à Copakip. Parlez avec Cartman. Et je te montrerai comment faire la guerre en mon nom. Et amène tes amis. Sauf si c'est des lopettes, bien sûr. Voici ma table de guerre. Tu peux choisir ta mission sur la carte et me dire quand tu seras prêt à partir au front. Si tu veux rejoindre la partie d'un autre joueur, tu peux totalement te contenter d'être un suiveur. Alors, appuyez sur le pavé pour sélectionner le bouton de matchmaking. Écris ton nom ici si t'as vraiment besoin de renfort. Je ferai appel à quelques gars au hasard si t'as pas de copains dans les parages. Dans tous les cas, tu peux retourner à la table de guerre dès que t'es prêt. D'accord, héberger une partie, rejoindre une partie, liste d'amis. Eh ben écoute, je suis solo. Revenons à la carte. On peut commencer dès que t'es prêt à aller botter les culs. Tout de suite, étang de Stark, chapitre 1. Tu veux ajuster la difficulté ? Fais-le ici. Ouais, on a le mode normal, le mode facile. Ou le mode difficile, donc voilà, je voulais savoir justement s'il y avait un mode de difficulté. Et c'est en fait quand on arrive ici, sur la table de guerre. Alors apparemment, il n'y a que 5 chapitres. Ça va aller vite, hein. Bon après, si chaque chapitre dure 5 heures, ça va. Allez, on y va. Commencez. T'es prêt pour le combat ? Excellent ! Franchis le portail pour te lancer dans ta mission. Ouh ! Une piscine. Bon forcément, allez, c'est gelé, hein. Hey, j'ai entendu dire que tu voulais essayer du nouveau matériel. Ben moi, j'ai toutes les armes que tu cherches. Entre dans l'armurerie, je suis sûr que j'ai au moins une nouvelle chose à te montrer avant que tu n'ailles te battre. Tiens, Tolkien. J'ai une âme à distance à te faire essayer. Tiens, essaye un bâton de magicien pour voir. Sélectionne le bâton pour l'équiper. Ah, bâton de sorcier, ça peut être bien ça. Parce que c'est vrai que l'arc c'était pas terrible, hein. Éliminez vos ennemis sans risque de loin, chargez mes attaques pour un tir de sniper. Le bâton, lancez des boules de feu qui incinèrent plusieurs cibles, chargez l'attaque pour des explosions plus puissantes. On le tente ou pas ? Allez, on va le tenter. Ça coûte combien ? Ah, mais c'est gratuit ? Ah, d'accord. On fera plein de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs pendant tes aventures. Reviens nous rendre visite si jamais t'as envie de changer. Pendant tes aventures ? C'est énorme. Oh, les accents. Sans déconner. Très bien. Génial, n'hésite pas à revenir quand tu veux. Ah, c'est abusé les accents, putain, y'en a qui vont crier au racisme. Rien que le meilleur. Attends, les pouvoirs d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a ? Totem de soin, ouais, je l'ai déjà. Les autres, pour l'instant, à mon avis, c'est pas débloqué, hein. Bon allez, ok, on y va. Alors, je m'entraîne vite fait. L2 pour tirer. Ouais, et là on lâche. D'accord. Ce serait quand même con que t'as envie d'aller chier pendant que t'es sur le champ de bataille. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on se marre. Allez, c'est parti, premier chapitre, on voit la sauce. On part en guerre. Les elfes druides, dirigés par ce fourbe de Odruif Kyle, préparent une attaque contre les humains. Le grand sorcier a ordonné une attaque préventive contre leurs forces de sale druif. «
C'est qui ces connards? C'est mon armée secrète. On vous attaque avant que vous attaquiez. De quoi tu parles? Mes espions ont vu ton armée se préparer pour la bataille. Tes espions? Mais de quoi tu parles, bordel? Ouais, tes espions, Kyle. Tes espions qui les préparent à la bataille. T'es sérieux? Rappelez-vous, aucun combat n'est autorisé pendant le jugement à la con. C'est une terre sacrée. Ouais, bouge ton cul, bâtard. Ok, chaque joueur pose une carte à la con pour qu'on se mette tous d'accord sur les règles avant la bataille. En tant que gardien des règles, j'ai l'honneur de présider ce jugement à la con. Laisse pas ces elfes t'intimider, le nouveau. Ils essaient toujours de manipuler tout le monde. C'est à cause de toi que tout ça est arrivé. Et nous, les elfes, on va y mettre fin. Alors, première carte à la con. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Météorite. Ouais, l'équipe émet des fumées nocives qui dégoûtent vos ennemis. Ça peut être bien, ça. Allez. Ok, montrez vos cartes. Oh, c'est trop cool. Électron libre. Et des cartes qui nous permettront de contrôler le champ de bataille. Où est-ce que t'as eu ça? Des batailles. Affliction explosive. Interdiction des armes. Hygiène défaillante. Rien à foutre. J'espère que vous êtes contents de vos choix. Bonne chance pour la bataille. Tu le crois, ça? Retrouvons ces elfes et découvrons ce que planque Kyle. Qu'allons-nous faire? Ils n'ont pas de vivre. File-nous le papier toilette, Stotch! Stotch! Dégage! Jamais vous n'aurez mon papier toilette. Il est à moi! Je vais apprendre à ce sale petit druif de pas chercher d'emmerde au grand sorcier! Alors, trouvez Kyle dans la forêt et apparemment, c'est par là. Appuyez longuement sur triangle. Oh, je peux utiliser maintenant quand même, on testera contre les ennemis après. En tout cas, attendez. Là, on peut voir les cartes des améliorations, d'accord, amélioration de l'ennemi. Ouais. Et ils ont bien 3 bonus, eux. Eh mais c'est totalement injuste, hein. Eh bien, allez, direction l'étang de Stark de Tony. Imagine. Imagine, on tombe sur Iron Man. Ouais, ils sont capables, hein. Je rappelle que c'est South Park. Allez, en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, bon, c'est un gameplay assez simpliste, on va pas se mentir. Hein. On est très loin, effectivement, du jeu de stratégie RPG, le bâton de la vérité et l'anal du destin. C'est carrément un autre style, mais honnêtement, je trouve que c'est sympa. Voilà, ça mange pas de pain. Hein. Alors, bien sûr, c'est pas le meilleur jeu du monde. Mais pour l'instant, c'est pas désagréable à jouer. Réveille-toi, le nouveau. Oh, c'est parti. Que la guerre commence. Hop là. Alors pensons à esquiver un petit peu, bien sûr. À s'envoler avec notre paix. C'est pas mal. Et on va tester. Alors attends, j'ai mes alliés. Ouais, j'ai mes bottes. Faudra qu'on teste effectivement l'attaque spéciale. D'accord, faut que j'aille où moi? Faut que je monte à mon avis. Yes. J'ai pas encore ma jauge de rage à fond. Mais normalement, avec les bonus qu'on a, ça devrait être plutôt pas mal. Alors, je vais essayer d'utiliser mon bâton. C'est pour vous, les gars. Ah oui, je vois qu'il y a une zone. Bon, par contre, là, j'ai tiré totalement à côté, c'est pas grave. Là, je suis dedans. Yeah! Ça les enflamme. Allumez le feu. Bien joué. Ouais, c'est vrai que l'arc, c'était peut-être plus imprécis hein, que le bâton. Oh, j'ai fait tomber! Énorme! Et puis là, vraiment, ça peut en toucher plusieurs à la fois. Pour moi, c'est bien mieux. Allez, les gars, moi, je joue en retrait, je suis en mode sniper. Je vous laisse foncer sur l'ennemi. Voilà. C'est une stratégie d'enfoiré, mais en général, ça porte ses fruits. C'est que la première d'une longue série de victoires remportées en mon nom. Ah oui, c'est vrai qu'on peut courir. Prenez une carte au portail. Ok. Bonjour, brave guerrier. Bonjour, bonjour. Tiens, attends, apparemment, on peut récupérer des choses, là, en cassant les... Les objets. Armement de paix. Les lumières d'un pays lointain ne sont que le calme avant la tempête. Je récupère du PQ. Et également du soin. Regarde un peu ce que je te propose. Alors, qu'est-ce que tu as? Légende. Pickpocket. Les ennemis laissent tomber 60% cheesy poof supplémentaire. Allez, je prends ça. Oui, une excellente amélioration. Très bien. J'espère que tu vas te reprendre maintenant. Oh mince, ces elfes ont mis un cadenas sur le portail. Tu vas devoir tous les éliminer avant de pouvoir l'ouvrir. Tiens, tiens, une zone fermée. On va devoir faire un massacre.
Et ouais, comme je le disais, les enfants sont toujours les on n'a pas forcément besoin, tout le temps, de se dire, voilà, il faut que ce jeu soit le GOTY, il faut que ce soit le meilleur jeu de la Terre pour qu'on puisse y jouer. Non, ça c'est complètement con. Il suffit simplement, alors de mon point de vue, moi pour que j'apprécie un jeu, faut qu'il soit sympa à jouer. Bon, attention, une carte à la con. Nouillifié. Toutes vos armes sont nerfées. Mais non. Une carte à la con. Oh là là, tes armes sont toutes molles maintenant. Ah, j'ai une frite. Génial. Ça, c'est ce que je mets dans ma piscine. Alors, ok, ils sont là-haut. Ah, par contre, les boules de feu fonctionnent bien. Ah ouais, ça touche. Parfait. Allez, je monte. Les gars, on rush tout de suite. Les archers, en premier. Dis-moi, ça fait moins de dégâts, du coup, vu que j'ai une frite. Ouais, je pense que c'est moins bien. Hein. Oh, c'est tout mou. Sans déconner. Bon, les petits lutins verts, là, je vais m'en occuper. Allez, la petite boule de feu là-haut. Hop là, ça marche bien. Voilà. Boum. Oula, par contre, là, je suis un petit peu... Je suis un petit peu enterré. C'est de la boue bien... bien molle. Allez, coup de frite, coup de frite. Le petit dernier. Allez. Et je te dis bye bye. Bye bye. Tu peux ouvrir le portail maintenant. C'est la victoire. Bon, attends, on va quand même les finir. Attendez, les petites finitions. Il va neiger pour toujours. Tiens, un petit peu de vie là. Ça m'évite de planter un bâton. Eh, mais quoique, c'est gratuit. Attends. Ah, il me semble que c'est gratos, hein. Ça me permet aussi, comme ça, tu vois, de soigner mes alliés. Voilà, on se remet à 100% tranquillement. Impeccable. Et on peut continuer. Je vois que t'as bien développé tes talents d'ouvreur de portail. C'est peut-être le destin qui a voulu que nous nous rencontrions ici. Eh, Jimmy m'a demandé de l'aide pour, genre, votre jeu ou quelque chose comme ça. Ces cartes servent à accomplir des rituels sombres. Elles te permettent d'invoquer un pouvoir extraordinaire. Mais certaines ont un prix. À toi de voir ce que t'es prêt à sacrifier pour la richesse et le pouvoir. Voilà, c'est tout. Piochons une maintenant. Alors, qu'avons-nous? Apparemment, j'ai 100 secondes, ça va. Accorde 20 de matière sombre, abandonne-toi à l'obscurité et laisse son potentiel combler le vide en toi. Ou alors, augmente le niveau de toutes vos cartes d'amélioration de 1. Tes sorts sont élevés jusqu'à leur zénith, ça c'est bien. Restaure les 0 utilisation de cartes à le con dépensé. J'ai rien compris. Ok, j'ai envie de prendre celle-là, moi. Tu devrais remercier tes guides pour celle-là. Il n'y a pas grand-chose à faire dans les parages depuis que la neige a tout bloqué. Du coup, je viendrai parfois... Ah pardon, je t'ai coupé. Et nous arrivons à l'étang de Stark. Ça y est. Ouais, j'arrive. Oh, Dieu merci, faut que tu m'aides. Je suis parti chercher des provisions. Et je me suis retrouvé pris dans la glace. Mais j'ai remporté le jackpot. Regarde tout ce papier toilette. Tu dois trouver un moyen de briser la glace pour me sortir d'ici. Mène-toi, mes couilles sont en train de geler. Un trésor des elfes? Ça ressemble à un piège. Kyle a dû tout manigancer. Oh ouais, Kyle. Ouais, je peux vous aider à trouver Kyle. Sortez-moi juste d'ici et je vous donnerai même un trésor. Je suis pas sûr de lui faire confiance. Moi, je suis prêt à te faire courir ce risque. Il marche comme une citerne. Enfin, le chariot de guerre des gnomes et il traverse la glace avec. Faudra aussi trouver des clés, de l'essence et apprendre à conduire, mais bon... Oh, ce n'est qu'un détail, ça. Trouver de l'essence et les clés. Le pauvre, il a les couilles qui sont en train de geler. Donc, recherchez les Backcountry Adventures et l'essence à la cascade de l'étang de Stark. Très bien. Attends, il y a un truc, là. Ah oui, c'est vrai qu'on peut courir, j'oublie à chaque fois. Je vérifie quand même. Ouais, il y a des objets, tu vois. Alors, c'est juste pour 2 soins. Et un peu de PQ. Voilà, et le PQ, c'est important quand même. Je sais pas si je vais au bon endroit. Normalement, j'ai rien à foutre de ce côté. Ouais, pardon. Allez, on va rester focus sur la bonne route, les gars, ok? Là, c'est bien, on a un peu de liberté. Alors, c'est pas un open world, hein, mais quand même. Quand même, c'est sympatoche. Une zone assez ouverte. Alors, les clés en cette direction. Et là-bas, on a le carburant. Prends ces cadeaux d'anniversaire. Il y a forcément quelque chose de cool là-dedans. Pourquoi des traces de pas d'elfes mèneraient-elles à une cascade?
Ok, bon, on sait où aller. Ah, j'ai envie de tout détruire pour tout choper. Vous me connaissez. Alors, je sais à quoi servent les rouleaux. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait le bonhomme, là? Tout va bien. J'ai posté une photo de ma jambe cassée sur les réseaux sociaux et j'ai reçu plein de likes. Ah, c'est trop bien. C'est tellement vrai, en plus. Les gens, ce qu'ils sont prêts à faire dans ce monde. C'est terrifiant. Alors... J'y vais sans crainte. Récupère-le ! Il était sous la glace pendant tout ce temps ! Évidemment, c'était sûr. Je le sentais gros comme une baraque. Allez, je pète. Les vertes mères. Attends, vite gerber, hein. Eh ouais, j'ai un sacré cul pourri. Oula, ils sont quand même vachement nombreux, les ennemis, là. Ok, attendez, on va activer notre spécial. Voilà. Attendez, carte à la con, c'est moi qui l'ai activé. Caca explosif. Ah non. Vous ne devriez pas posséder une magie aussi dangereuse. J'ai rien compris. Attendez, je crois que c'est contre moi, ça, non? Je crois bien. Ok. Où sont-ils? Là-haut. Petit coup de bâton. Je sais pas si je l'ai eu, putain, il y a des racines. Eh, hey, toi là-haut. Je t'aurai. Alors, c'est marrant, par contre, on peut pas loquer les ennemis, ça aurait été encore mieux, côté précision. Attends, c'est quoi ça? Oh, on peut se catapulter! Oh, trop bien! C'est pas mal, hein? C'est juste des connards avec des flèches. Alors, ça manque un tout petit peu d'impact, hein, un tout petit peu de sensation, tu vois, quand on touche les ennemis. Mais sinon, c'est sympa à jouer. C'est pas un ennemi, ça. Ça fait mal, ça. Non, pardon. Et c'est la victoire. Impec. C'était un coup de chance. Améliorer votre perso au portail. Donc ça, c'est fait. Maintenant, de toute façon, je dois retourner au début, il me semble. Ou alors, je peux partir de ce côté. On va voir. Félicitations, t'as survécu à cette embuscade. Voici ce que le destin te réserve. Donc alors, peu commun, flamme bondissante, l'orbe du bâton de sorcier rebondit deux fois après l'impact. Allez. Excellente sélection. Alors, je pouvais pas l'améliorer, il me semble. Comment on appelle un sorcier transformé en poisson? Un hareng sort. Un hareng sort. Oh là là, les blagues. Et le nouveau, t'as récupéré des cartes brillantes. Elles renforcent tes cartes d'amélioration. Il y a une carte brillante dans ce coffre, juste là. C'est plutôt sympa, non? Ils sont planqués un peu partout sur les champs de bataille. Alors, ouvre bien l'œil. Un peu partout sur les champs de bataille. Prenez une carte au portail. Alors, moi je fais partie de ceux, les gars. Je vous le dis, je fais partie des fans de Michel Leb de l'époque. Qui imitait les accents. L'accent africain, j'en passais des meilleurs. Et alors ça me faisait, mais alors tellement rire. Et aujourd'hui on dit que tous en fait qui ont ri de cet humour, ce sont des racistes. Alors que c'est tellement drôle. Et je m'en fous que vous me disiez que je suis un gros raciste. Hein. C'est trop drôle. Et il n'y a absolument rien de méchant en plus. En tout cas, dans notre tête, il n'y a rien de méchant. C'est vrai. Oh, je vois que t'as survécu à un autre combat. Tu vois quelque chose qui te plaît? Alors, plan A3. Le bâton de sorcier lance maintenant 3 orbes, infligeant. Je pense qu'on en va prendre une autre quand même. Est-ce que je peux améliorer? Ça coûte 140 PQ, j'en ai que 90. Les orbes chargées du bâton de sorcier coûtent. Ouais. Ça peut être bien ça. Fantastique. C'est sympa de pouvoir discuter sans l'agitation de la bataille, pas vrai les nouveaux? Mais je suis le vrai nouveau. Eh oui, les autres c'est tous des faux. En tout cas, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la musique aussi. C'est plutôt sympa. Aventure mignonne. Bonne ambiance. Et enfin les clés. Hey, joueur 1. Pour démarrer le camion. Charge-le dans le canon et brise cette glace. Apparemment, on peut charger le canon. Il me semble que c'était une boule de bowling. Hein. Peut-être qu'on peut détruire la glace, Kyle, du coup. Attention. Eh, hey, toi, reviens. Non, bordel, très bien. Bottez-leur le cul, les petits nouveaux. Ah ouais, ça rebondit. Énorme. Bottez-leur le cul, tout de suite. Ouais, attends, par contre. Waouh, comme ils sont nombreux, c'est ouf. Ok. Dans des cas comme celui-là. Dans des cas comme celui-là, je m'envole. Et je pète-zouille. Attendez, du soin, vite. Faut que je reste avec mes petits gars, moi. Hein, parce que sinon, ça va être tendu. Les gars, revenez.
Hop, le petit soin, en plein milieu, c'est très bien. Ah non, j'ai pas réussi à le mettre. Attends. Voilà, c'est bon. Là, on se soigne. On est en plein dans le feu d'action, mais tout va bien. Voilà. Ok, on reste dans la zone du bâton, tu vois. Je tire un peu de loin, j'assure. Attention à la carte à la con. Tant on dirait Bowser qui débarque dans la partie. Nouifié. Oh non, pas encore. Ils ont joué une carte d'arbre en mousse, le nouveau. Du coup, tes attaques de près vont infliger moins de dégâts. Oh, c'est relou. Alors, qui dit moins de dégâts dit que peut-être faut jouer de loin. Logiquement. Je vais faire une pause. Tu m'as fait mal. Ok. Bah, c'est le principe, hein, de te faire mal. Cordialement, bien sûr. Attends, il y en a un qui est transparent. Waouh. À bientôt, gamin. Alors, ça fait moins mal, ça fait un petit point de dégâts seulement. Wow, 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 et attendez les gars là, je me fais totalement dégommer. Plus vous serez nombreux autour de lui. D'accord, apparemment faut rester dans la zone. Attends. Faut que je m'en aille les gars là. C'est très très chaud. Faut que je me taille, j'ai mon équipe qui est en train de se faire décimer. Mais là l'idée, c'est de revenir juste un peu en arrière pour se soigner à fond. Allez. Est-ce qu'on peut mettre fin au pet d'ailleurs, je me demande. Attends, je me soigne, il y en a deux qui sont dead, là. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Waouh. Il reste 5 ennemis. Alors, attends, je vais commencer par celui qui est le plus près, qui est juste en bas, là. Voilà. Reste tout. Allez, les gars. Pour les réanimer. Mais ça doit être bien tellement joué. Plus facile si on est en véritable coop, plutôt qu'avec des bots. Voilà. Reste. Allez, tout on reste là. Tac. Wouah, ça me met des racines, ça me jette de l'encre et tout. Dégomme-les. Allez, il reste plus que 4, c'est bien. On tient le bon bout, les gars. Yeah, joli. Attends, il est pas mort? Ah bah non. Autant pour moi. Je pensais. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les ennemis sont bien mis en évidence. Et ils ont le pouvoir de l'invisibilité. Attendez. Hop, petite esquive. Tiens, prends ça. Brûle, là. C'est ce qu'on va voir. Putain, mais il est hyper rapide, ce con. Voilà. Il en reste plus qu'un. Et on est 3 contre 1, mec. T'es foutu. Et voilà, victoire. Récupère ce butin et retourne combattre les elfes. Ah, j'aurais dû activer mon petit bonus, là. De quel butin tu parles, attends? Déjà, je récupère tout ça. Voilà, tant qu'on y est. D'ailleurs, ça peut redonner de la vie et tout. Parfait, alors attends, je n'avais un qui était... Ah non, c'est bon. Ah mais en fait, quand on a gagné, on s'en fiche de... Ok. Quand on a gagné, on s'en fiche littéralement de réanimer nos potes, vu que c'est la fin de la mission. Ok. Tiens, attends, un peu de PQ là, tant qu'on y est. On peut pas rentrer là-dedans. Non. Ok. Eh ben, c'est bien, Wesh. Oh putain, le truc le plus chiant qui existe sur Terre! Les tyroliennes! Évidemment que les elfes sont ici. Les elfes ont sans doute planqué les clés au plus profond de ce territoire. Va jeter un coup d'œil près de l'arrière-boutique. Alors, j'ai vu une catapulte. J'ai vu également des trampolines. Mais surtout, ce que j'ai vu, mesdames, messieurs... C'est des mecs avec des boucliers. Ça va être tendu. Attends, je reste au début de la zone pour l'instant. Ah mais on peut viser comme ça en étant dans les airs. Ouais, faut vraiment réussir à mixer les différentes attaques quoi. Ok. Alors je suis surpris parce que vraiment, j'avoue que le gameplay est hyper simpliste hein. Vraiment ça a pas cherché bien loin. Mais en vrai, ça se laisse jouer. Ça fonctionne plutôt bien. Attends, je vais viser là-haut. Est-ce que je peux monter assez haut? Attends, mais ou alors je suis un peu bête parce que je peux très bien prendre le trampoline, hein. Ça ira très bien aussi. Je sais pas, entre l'arc ou le bâton, c'est quoi le mieux. Je sais que j'avais du mal avec l'arc hein, pendant le tuto. Salut les gars. Je rush. Oh merde, des racines. Arrête ça. Pas du bien ça. Non, non, je ne fais que commencer. Saignement. Ça fait peu de dégâts quand même. Ok, un de moins. On avance. C'est quoi ça, un sac? Oh, un sac avec du PQ partout! Magnifique! Les gars, la fin de la session, ça doit être là-bas. Les clés, c'est bon, je les vois. Oula!
Carte à la con. Oh non. Nouillifié encore. Vos armes font des dégâts de merde. Oh mais c'est toujours la même chose. Vous abusez les gars. Carte à la con. Oh là là, tes armes sont toutes molles maintenant. Ils auraient pu varier un tout petit peu quand même. Attends mais j'ai même du mal à casser les boîtes avec cette frite. Oh non. Attendez. Ah mais c'est toi. Ok. Je l'avais pas vu. Bon je te brûle parce que c'est ce qui fait plus de dégâts avec ma configuration actuelle. Et je prends les clés. T'as récupéré les clés. Les elfes ont barricadé le chemin par lequel t'es rentré. Essaie de passer par d'ici. D'accord, alors là attendez, trampoline. Waza. D'accord. Autre trampoline. Waza. Oh mais pas avec la frite, ça fait rien. Hop là, je pète. Si je peux pas taper de manière efficace, le mieux c'est de péter. Oulala. Oulala, attendez, je bouge, je reste en mouvement. Tiens, toi. Allez, brûle. Bien joué, mec. Alors, l'IA, honnêtement, est assez efficace. Bon, je pense que c'est bien plus facile aussi avec... avec des humains, hein. Mais enfin, c'est quand même pas si mal. Là, je vais reculer un petit peu parce qu'ils sont assez tendax. On va se soigner. Et venez, les gars. Hein. En tout cas, là où, effectivement... Alors, ils viennent quand même un petit peu... Mais je pense que des humains viendraient beaucoup mieux dans la zone où je place mon soin que des bots, quoi. Ça, c'est sûr. Ah, c'est bon, on a plus les frites. Allez, maintenant, on fait beaucoup plus de dégâts. Ah oui, on passe quand même de un petit dégât à peine quand on a la frite, quand on a l'arme molle, à 4, il me semble. C'est quand même autre chose. Alors, admettons, attendez, je pense qu'on peut peut-être... Par où je passe? Par ici, à mon avis. Ah, mais il y a des archers là-bas. Ok, les gars, j'arrive. Tiens, prends ça. Je traverse, hein. Toujours reste en mouvement, les gars. Hop là, tu dégages. Propulsion. Wouhou. Ouais, je suis mort. Ouais, j'aime bien comme il dit. Ouais, je suis mort. Allez, il y a du monde de ce côté. J'ai le numéro 3 qui est un petit peu en difficulté. C'est pas gagné. Il y en a un qui est parti là-bas. Oh non, je suis tombé. Mais quel con. Alors, c'est un peu brouillon. Ils sont partout, mais on a gagné. Ah, ils ont fui. Je crois qu'ils ont fui. Hein. Bon, bah, c'est bien, on domine. Allez, maintenant, faut ressortir. Faut ressortir par là-bas, il me semble. Voilà, en fait, ça m'indique le chemin. Ouais, franchement, ça se laisse jouer. C'est pas incroyable, mais c'est sympathique. Certains se sont vraiment attachés aux tyroliennes. J'ai de chouettes cartes pour toi. Alors, flamme drainante, les orbes chargées du bâton de sorcier coûtent... Ouais, les ennemis à portée du totem subissent 30% de dégâts supplémentaires. Ah, ça c'est cool. Je l'avais repéré pour moi, celle-là. Surtout que j'en mets souvent en plein milieu des soins. Bonne chance. Donc c'est pas bête. Bon allez, maintenant je pense que ça y est, on peut mettre en route le camion. Ossature lourde. Ouais. Allez, je traverse, pourvu que la glace ne se brise pas, bien sûr. J'arrive, monsieur. On va démarrer ce camion. Alors, apportez l'essence et les clés. Trois sorciers t'ordonnent de démarrer ce putain de camion, et vite! Rejoignez Randy. T'as même pas fait attention si t'écrasais le bonhomme, quoi. T'as réussi, grâce à mes conseils et à ma grande sagesse. Oh, Dieu soit loué. T'as réussi, tu m'as sauvé. Je suis resté coincé ici toute la journée. Je me serais bien échappé, mais il y a une serrure elfe de niveau 3 sur cette porte là-bas. Je suis tellement content. J'ai trouvé ce coffre rempli de papier toilette. Tout le monde en ville a dévalisé les magasins. Surtout ce putain d'enfoiré de stock. Ce truc vaut plus que de l'argent en ce moment. Alors je suis riche. Les nouveaux, trouvons où Kyle se planque. Ouais Kyle, ouais. Je peux vous montrer où il est, mais je suis resté coincé ici tellement longtemps, putain. Faut vraiment que j'aille chier. Pour l'instant, regarde en toi et tu trouveras les réponses dont tu as besoin. Crois en toi et ce que tu cherches te sera révélé. Moi, je vais aller chier avant de frotter ce papier toilette sur la figure de Stanford Stock. C'est fini pour toi. Tu vas mourir ici. Les elfes t'ont tendu une embuscade. Fais-leur regretter, le nouveau. Submergez-les. Ils sont en train de prendre les hauteurs, connard. Ah d'accord, système de vagues.
J'ai compris. Ah, ils sont là-haut. Je fais attention. Bon, ça va, ils sont pas trop nombreux pour l'instant. On a une bonne santé. Et en tout cas, je suis super content d'avoir pris le bâton. Hein. Je pense que c'est mieux que l'arc, quand même. Je dirais même plus, beaucoup mieux. Ça va faire mal pendant un moment. Je combats un arbre. C'est bon, je suis éliminé. Ouais, tu vois, il y a vraiment une légèreté dans le jeu qui est vraiment agréable. Allez, boule. Dégâts de feu, à mon avis, contre lui, ça doit faire mal. Hein. Forcément, c'est une plante. Comment est-ce qu'ils ont fait pour descendre un entier là-dedans ? Aïe. C'est con, mais c'est vrai que la VF, ça change tout. J'ai envie de te dire, voilà, les jeux qui sont pas en VF, on n'apprécie pas pareil. Alors, bien sûr, si vous êtes bilingue, peut-être que vous pouvez apprécier vraiment des jeux en anglais et tout, en VO, ok, mais je sais pas, moi et toute ma famille, la VF, c'est super important, quoi. Nouillifié. Oh, mais arrêtez, non, mais c'est un bug, il y a toujours la même chose. Ils ont joué une carte d'arbre en mousse, le nouveau. Ça, par contre, c'est le seul truc qui est relou, hein. Les attaques de près vont infliger moins de dégâts. Ouais. Alors, ok, on me vise, moi, apparemment, hein. Eh ben, les gars, je viens à vous. Le problème étant que j'ai juste une frite en mousse. J'avoue, ça va être un peu limite, ça. Donc, je shoot. Bon, en plus, ils ont des boucliers, donc. Allez. Et là, imagine, t'as Aragorn qui arrive. On dirait qu'un vaisseau spatial extraterrestre s'est écrasé dans les temps. Je parie que leurs cordes extraterrestres sont tous gelées. J'ai encore la frite en mousse, donc du coup, je reste éloigné. Je ne fais que lancer des boules de feu. Et attention, parce que les collègues sont pas forcément super éteints. Moi, j'ai la vie pleine, mais pas eux. Vraiment dégueulasse. Alors j'en ai un qui est pas bien, on va essayer d'aller le réanimer, les gars. Attendez, petit paix, voilà. Je sais pas si on a fait quelque chose. On va savoir, j'ai toujours la frite en mousse, donc attends, je vais le réanimer celui-là. Ouh, c'est un peu chaud. Attends, je mets un petit bâton là, pour la vie. Voilà, il me semble que ça fait des dégâts aux autres en plus. Si j'ai pas de conneries, donc c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, ça redonne de la vie à tout le monde. Échappez-vous, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que j'étais emprisonné. Attendez, on va sortir hein, là parce que c'est un peu le dawa. C'est le bordelus totalus. Allez, frappe, il saigne, très bien. Oh, l'arbre qui fait mal. Je vois plus rien, les gars. Je suis dans le trou. C'est un peu comme si je mangeais du caca. C'est un peu comme si tu mangeais du caca. Ah ouais, d'accord. C'est dégueu, quoi. Oh, ça fait mal, les gars. Oh, ça fait mal. Ok, faut que je le réanime. C'est bon, l'arbre apparemment est explosé, non pas encore. Mais il est pas bien. Allez, je bourrine un petit peu. Vas-y, tu peux le faire. Non, attention. Ouais, c'est chaud. Vas-y, soin. Soin, les mecs. Yes. Mais ils sont combien? Il y a encore 9 ennemis. Ah ouais, mais on était en infériorité numérique large. Truc de dingue. Allez, brûle. Ah non, mais c'est incroyable l'infériorité numérique qu'on avait, quoi. Est-ce que ce serait pas la zone finale, en fait? La zone finale du niveau. Eh, y'a moyen. Oui, ça va, je suis morte. Là-haut, ok. Ah ouais, vous êtes tous les trois, les gars. Voilà, on peut passer par ici. Là, en plus, on peut reprendre un petit peu de vie. Super. Salut, c'est moi, surprise. Allez, descendre, hein. Tout de suite, bande de fuyards. Allez, 3 contre 1. Là, t'es pris un gangbang. Vas-y. Ok, pas un coussin à aiguille. 20 pièces de platine. On débloque des choses. Alors, je sais pas à quoi ça va nous servir après. On verra bien. Hop là. Oh oui. La victoire par boule de feu. Crochet la serrure. Ben voilà, c'était long. C'était intense. Mais on s'en sort. Tu vois cette crevasse? Je pense que les elfes sont venus de là, ce qui veut dire que c'est là que se trouve la base de Kyle. Vas-y, le nouveau! Alors, peu commune, ok. 42% de dégâts par rebond, donc ça a été amélioré. Collecter de la matière sombre. D'accord. Ah, ouais, c'est DM, non? Je crois bien. Choisissez votre amélioration. Regarde, plusieurs choix merveilleux. Flamme drainante, les orbes chargées du bâton de compte, d'accord. 3 orbes, affligeant. Je prends ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Le petit plan à 3. Je suis pour toi. Kyle mènera son dernier combat au cœur de la forêt.
parce que c'est une grosse lopette qui fait du théâtre. Ouais, c'est quand même des gros chapitres, hein, des grosses missions. Le roi des elfes. Prépare-toi à affronter ma justice druidique. Ok, on fait le boss. Et c'est maintenant. Le boss Kyle. Alors pour info, le jeu sera court, je pense. Et c'est pour ça qu'il coûte 30 balles. C'est pas un jeu à 60-70 euros, tu vois. En fait, c'est intéressant parce que il y a un petit côté, alors je dirais pas roguelike, mais bah, tu récupères les cartes au fur et à mesure que tu fais des choix et tu vas retrouver ces améliorations après contre le boss. Donc, il y a ce petit côté. J'aime bien. Oh là là, attention. Ouais, pas évident, hein. Attrape Kyle. Ça va, je lui fais mal. Attends, je m'envole. Oh, il me repousse avec les racines. C'est pas si simple, hein. Ah ouais, mais je suis chaud, hein. Est-ce que je peux l'atteindre avec mon arme? Ah bah oui, on le touche. Quoique. Oh, les gars, du soin. Voilà, faut que je me soigne. C'est un peu chaotique, hein. Je peux vous mentir, ce boss, là, notre ami Kyle, c'est pas simple, hein. Allez. Bon, les racines, on les voit venir, heureusement. Il est plus là. Menu larcin. Charge de taureau. Non, mais je pense qu'il faut l'avoir avec les projectiles. Ouais, sûrement, hein. On va enchaîner comme ça. Tac. Ouais, ça le fait. J'aimerais bien finir, mais tu veux pas. Ouais, je suis en plein milieu. Ah bah non. Normalement, c'était bon. Utiliser les tremplins. Ah, mais attendez. Ah oui, pardon. J'ai pas capté depuis le début. D'accord. Fallait le dire. Et là, après, tu peux lui foncer dessus. Bah oui, bien sûr. D'accord. Et depuis le début, j'ai pas capté. Voilà, après, tu l'attaques comme ça. Ok. J'ai enfin compris. Parce que là, voilà, il se barre très très vite, en fait. D'accord. On peut le toucher toujours avec les boules de feu. Mais c'est pas énorme, hein, ce qu'il prend. Allez, tremplin. Hop là. Vraiment, on le touche, là? Ouais, on le touche. Ouh là là. Je vais réanimer mon pote, là, on n'est pas bien. L'état de mon équipe, pas terrible. Je mets un petit soin. Un petit bâton. Faut bien rester, tu vois, vers lui pour le réanimer. Et en fait, plus il y a de joueurs sur lui, plus ça va le réanimer rapidement. En vrai, en termes de jeu coopération, ça doit être sympa, hein. Nanani naner. Peut-être que c'est un peu long, comment je m'y prends. Aïe, aïe, aïe. Mais on finira bien par l'avoir. Ouais, je fais 8 points de dégâts. Il est par là. Allez, prends ça. Ah, il est parti de ce côté. Ok. Je sais pas si j'ai réussi à le toucher ici. C'est un peu approximatif, mais... mais ça touche. Hop là. Non. Si on le prend par derrière. Ça marche. Oh oui, là je l'ai bien touché, hein. Allez, prends ça, mon grand. Ah, il nous repousse avec sa branche, là. Allez, je remets un petit soin. Ton destin est scellé. Allez. Je reprends de la vie. Attention, il y a des racines partout. Ok, il monte là. Je rebondis. Et tac, je me précipite dessus. Attendez, il y en a un autre qu'il faut réanimer, là. Wouah, je me suis pris la racine en plein dedans. Ouais, c'est un peu le Bordelus Maximus, hein, comme je le disais. Allez, on réanime ce premier. Après, l'autre qui est juste en dessous, parce que bon, quand on est tout seul, c'est vrai que c'est plus long pour les dégommer. Allez, tous les deux. Voilà, pendant qu'il continue à prendre des damage avec mes boules de feu. Bon, il y a moyen, je pense, d'aller beaucoup plus vite, on est ok, hein. Évidemment. Et il s'arrête jamais, hein. Normal, c'est un boss. Ah, je pense quand même vraiment que c'est un jeu qui va faire plaisir aux fans de la série, hein.
Et bien alors, si je me souviens bien, vous me corrigez si je me trompe, hein. Mais il me semble que dans Annales du Destin et le Bâton de la Vérité, les deux jeux d'avant, il n'y avait pas la VF, hein. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être dans Annales du Destin, si. Ah, mais quoique, si, peut-être qu'il y avait la VF, mais que c'était pas la VF officielle de la série. C'était pas une histoire comme ça ? Il me semble. Allez, carré, là. Ouh, j'ai pris cher. Vite, soin. Là, on est bien, les gars. Là, on était bien. Oulala, 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 oulala. Attendez, il faut que je bouge. Putain, c'est dingue. Allez, rends un petit bâton pour récupérer de la vie. Voilà. Et on y va. Oh non, je prends toujours cher, les gars. Il est long, ce boss, quand même. Allez, il y est presque. Ouais, j'ai réussi. Tu sais, Kyle, tu as pris un truc aujourd'hui. T'es comme petit connard. Va te faire foutre, Cartman. Désherbant. Eh bien voilà, triompher de Kyle dans son bosquet sacré. Retourner à Koopa Keep. Partez en suivant le chemin. Eh bien écoutez, c'était sympa. Ouais. C'est sympa ce premier level. Oh, merci pour la récompense. Ah mais attendez, il y en a un peu de partout, je vais quand même les récupérer. Ça peut nous servir pour la suite, hein, pour améliorer un petit peu tout ça. C'est quand même bien de fouiller rapidement. Le trône. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, ici. Bon, c'est vrai que c'est un boss qui était un petit peu long, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, peut-être que j'ai été mauvais, hein. Peut-être que je maîtrise pas encore totalement le jeu. Enfin, c'est pas peut-être, hein. Voilà, je suis pas optimal. Mais il est un petit peu long. Victoire. Yeah. Masochiste. Plus de dégâts reçus, 869. Très très bien. Déblocage terminé, les vertes mères, tyrolienne à la con, etc, etc. Selon votre façon de jouer, hein, vous débloquez des choses. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Tu pensais pouvoir faire tout ce que tu voulais, hein? Tu t'écris tellement malin. Je t'ai battu, Kyle, et maintenant tu dois suivre mes règles ici, à Koopa Keep. C'est bien ça les règles, votre honneur? Ce sont effectivement les règles. C'est pas toi qui m'as battu, gros cul, c'est le nouveau. Et c'était qui les trois autres qui jouaient avec lui? Oh, c'était d'autres nouveaux. Ils pensent tous être le vrai nouveau, mais toi, t'es le seul nouveau qui compte, hein, le nouveau? En vrai, les autres nouveaux sont tous des tocards, hein, Butters? Ouais. Pourquoi t'as attaqué ma putain de base? Moi, attaquer ta base? Tu dis que tu préparais toute ton armée à attaquer notre putain de base? Ouais. Quoi? Qui t'a dit ça? C'est Clyde! Ouais. Et tu crois toujours tout ce que te dit Clyde? Oh non, Clyde est complètement débile! Ouais! Bordel, les gars, on se prépare à attaquer quelqu'un d'autre! Quelqu'un qui représente une vraie menace pour notre ville! Qui? Vous trouvez pas ça étrange? Une tempête de neige aussi énorme, en un seul week-end, vous avez déjà vu un truc pareil? Qu'est-ce que tu insinues, Elf? Tout ça, c'est pas naturel! Quelqu'un a forcément dû lancer un sort divers sans fin de niveau 10! Cette magie est interdite depuis que le nouveau a fait foirer la dernière partie en pétant pour remonter le temps. Bah quelqu'un l'a fait, je le sais. Et qui selon toi a lancé ce sort interdit? Celui qui se comporte bizarrement depuis la semaine dernière, Stan. Le marchwalker? Stan agit bizarrement depuis qu'il pense que c'est sa version des règles qui est la meilleure. Je préparais mon armée pour l'attaquer et l'obliger à me parler pour savoir ce qu'il mijotait. Mais le nouveau est venu s'en mêler. Ah bah bien joué le nouveau. Pour vous c'est peut-être qu'un jeu. Mais cette tempête est pas prête de s'arrêter. Et notre ville est dans le pétrin. Oh, crotte! Alors on n'a pas le choix. Le nouveau, il faut qu'on retrouve Stan Marchwalker. Et qu'on découvre ce qui nous cache. Eh bien, on verra ça dans le chapitre 2. Oh, n'oublie pas d'aller chier de temps en temps. Ce serait quand même con que tu aies envie d'aller chier pendant que tu es sur le champ de bataille. Ça, c'est pas faux. Visiter le trône du penseur. Alors attendez, où est-ce que c'est? Ah, mais c'est là-bas. Trop craqué. T'as plus qu'à réessayer la prochaine fois. Allez, on va aller chier pour voir ce que ça donne. Ah, dis-hoo ! Hé, c'est toi le nouveau, pas vrai ?
C'est moi, Monsieur Hanky. Je suis parti un moment, mais je suis revenu. Et devine quoi? Je vous ai apporté un peu de magie de Noël. T'en veux un peu de cette magie de Noël? Je peux t'en donner un avant-goût si tu veux. Oui, tu en veux. Eh ben, vas-y, prends-la. Prends un peu de magie de Noël. Ne sens-tu pas ton potentiel qui grandit en toi? Tu trouveras de la matière sombre partout, dans les recoins sombres, dans chaque personne. Utilise la matière sombre pour accroître ta puissance. Et c'est maintenant. Ah, mais d'accord. C'est en fait un système de compétences. Maintenant, ce bonus sera en toi, comme moi. Tu peux échanger tes pouvoirs. La matière sombre te reviendra sous sa forme brute. Ah, mais d'accord, mais c'est pas mal en vrai. Mauvaise gestion de la colère, vous pouvez devenir plus 20% plus enragé, ouais. Bon, le reste après, ça coûte plus cher, hein. C'est 60 DM. Ok. Ah, c'est trop marrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Armurerie, cosmétique, bon, on verra ça, les amis. La prochaine fois, si ça vous intéresse, bien sûr, qu'on fasse. Qu'on voit la suite ensemble. Mais en tout cas, c'est super drôle. Survoler un bonus acheté, puis appuyer sur X pour obtenir le remboursement du bonus. Ah, attends. Alors, admettons, je passe là-dessus. Voilà, le remboursement, c'est comment qu'on fait? Ta matière sombre est toujours d'accord. À tes côtés. Toujours prêt. Et je peux le reprendre. Continue à absorber cette matière sombre et tu deviendras plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Entre dans l'armurerie, le nouveau. Montre-moi tes nouveaux pouvoirs mystiques. Alors maintenant que tes pouvoirs sont devenus plus puissants, montre-moi ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire. Ah mais oui, c'est vrai, on avait vu les armes mais pas les pouvoirs. Cool, le voilà. Sélectionne un pouvoir pour l'équiper. Ok, alors on a les deux là qui sont nouveaux. Alors, frayez-vous un chemin parmi vos ennemis en pétant pour charger et emporter avec vous charge du taureau. Ouais. Renvoyez les projectiles vers vos ennemis. Ça peut être trop bien. Le bouclier bulle. Et apparemment, faut remplacer l'un ou l'autre. Ah, ça c'est plus embêtant par contre. Tu veux ce pouvoir spécifique? Aucun problème, à toi de voir. À toi de voir. Trouvez la touche prout. D'accord, bah il faudra voir effectivement si on change ou pas, ce sera intéressant. On a le bazar aussi. Interagissez avec les shops. Ah, c'est là qu'on peut changer de vêtements. D'accord. Ah ouais, j'ai 100 pépés. C'est pas mal ça. Couvre-chef, et tu vois, il y en a plein qu'on n'avait pas quand on a créé le perso. D'accord. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? On verra ça potentiellement la prochaine fois. À mon avis, les petits malins vont essayer de faire quelques petits dessins. Comme ceci, par exemple. Bref, j'arrête. Allez, les amis, merci encore à tous. J'espère que ça vous aura plu, cette découverte. Voire même... ce début de série, parce que peut-être que je vais le continuer, vraiment je me demande, parce que j'ai bien aimé. Effectivement, c'est pas le meilleur jeu, mais on a tout de même quelque chose qui se prend bien en main, qui est dynamique et agréable, qui est vraiment cool. L'AVF, génial, j'adore, on retrouve totalement l'ambiance de South Park. Donc de ce point de vue, c'est extrêmement réussi, dites-moi vraiment si vous souhaitez voir la suite, et pensez à laisser un petit pouce bleu. Voilà, comme ça au moins c'est le meilleur indicateur, ça m'indique vraiment si vous souhaitez voir la suite. Et ce sera avec grand plaisir. Merci encore à tous, portez-vous bien et je vous dis à très très vite. Pensez également à vous abonner bien sûr, pour ne pas louper les prochains épisodes s'il y a, les prochaines découvertes et aventures. Allez, à très vite, ciao ciao.